Bonjour à tous. Aujourd'hui, voyons comment prendre une décision. Comme d'habitude, et parce que YouTube paye très mal, je vous propose de me soutenir financièrement sur Patreon. J'en serai très heureux. On commence tout de suite. J'ai décidé de partir voyager. J'ai décidé de partir voyager. Quelle bonne décision! Quelle bonne décision! Même si c'est plus compliqué dernièrement, j'ai besoin de voyager. Et je ferai très attention pour le Covid. C'est une nécessité. Pour décider où et quand je partirai, ça a pris du temps. Ça demande de faire des recherches. Ça demande d'être prêt quand on part voyager longtemps. Maintenant, je me sens prêt. Pour mon voyage, j'ai mis du temps à me décider. Parce qu'il y a beaucoup de possibilités. Et qu'il faut choisir un endroit sympa. En même temps, il n'y a pas 36 pays d'ouvert. Je savais que je voulais sortir de ma zone de confort. Je savais que je voulais du changement. Je voulais vivre de nouvelles aventures. Mais je fais presque toujours confiance à ce qu'on appelle l'intuition. Pour moi, ce n'est pas vraiment une petite voix intérieure. C'est plutôt une sensation, un ressenti. Quand je veux prendre une décision, et que j'ai déjà pas mal étudié la question, alors j'essaie de voir si ça peut fonctionner. Si la sensation que je ressens est très mauvaise, je change quelques paramètres et je recommence. Je repose la question. Et la réponse est presque toujours instantanée. C'est une réponse intérieure. Une boussole qui guide mes pas. Et vous, comment est-ce que vous décidez ? Est-ce que vous suivez votre intuition ? Est-ce que vous faites un peu des deux ? Dites-le-moi dans les commentaires. Je me ferai une joie de vous lire. Sur ce, je vous dis à très bientôt.